Yo, enfin, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard TV depuis Bombard de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Je vous invite à nous parler suivre ministre culture et communication, M. Pradel Henriques, qui visite plusieurs médias dans la vie nationale. Là. Mais avant de nous faire ça, l'équipe Bombard TV a voulu remercier tout le monde qui est toujours branché Bombard TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombard de Police, l'équipe Bombard TV a nous apprécié ça. Et si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez, intéressé, pas oublier d'abonner avec Bombard TV et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet de faire partie de l'équipe de notification Bombard TV. Eh bien, nous ne perdons pas de temps, nous déroulons avec l'information. En nous, ministre de la Communication, Pradel Henriques visite Journal Le Nouvelus, Radio Nationale d'Haïti et Télévision Nationale d'Haïti mercredi 1er avril. Visite Koutouazi ça a fait dans l'idée pour discuter avec les responsables sur l'importance et le fonctionnement des médias ici en Haïti. Ces informations ça nous porte pour nous pas perdre temps, n'a pas commencé coulier. 11h environ le matin, les ministres Kilti à communication, Pradel Henriques, rivé dans le local Journal de Nouvelis. Après rencontre avec responsable Journal Nouvelis là, ministre Pradel Henriques porte précision sur objectif visite là. Présence pour aujourd'hui, hein, c'était pour rappeler à tous les spectateurs que nous dans ça n'a la presse écrite. C'est la presse écrite, c'est le premier côté malheureux parce que c'est la naissance même de la presse. Donc dans l'histoire de la presse dans le monde, la presse est née écrite. Hein? La presse est née écrite parce que pas oublier la presse prend naissance au lendemain de l'imprimerie qui à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, vous avez ce qu'on a eu les premiers rudiments de l'écrit et puis par la suite, un ou deux siècles plus tard, vous avez eu la presse écrite. Donc la presse est d'abord écrite. Et il écrit dans le sens aussi que il perpétue mémoire, information qui a baillé dans le temps là-bas. Donc, Nouvelis représente ça dans les symboles, presse écrite ça d'abord pour l'âge, donc ça fait de lui un patrimoine. Donc, nous visitons ce patrimoine de la presse écrite au sens universel et au sens haïtien du terme. Et nous discutons surtout de la communication, nous discutons du rôle de cette communication, nous discutons de possibles partenariats, comme de fait, nous pensons que ce sont des qui prévus au niveau de la santé, que nous avons des partenariats entre les hôpitaux privés et l'État. Et il y a beaucoup d'efforts que l'État a commencé à faire. Nous avons suivi les derniers discours du président et tous les consignes que l'IBAI. Il est important pour nous que nous rappelions les consignes. Une consigne, c'est vraiment qu'on ne soit pas besoin ou pas sorti prend la rue. Situation PIA, fonctionnement journal Nouvelis, c'est quelques parmi points qui étaient dans le temps échangé. C'est avec plaisir que nous avons l'occasion de recevoir. Et ministre de la Culture, il est accompagné du secrétaire d'État à la communication et aussi de M. Jacques Desrosiers, responsable du journal L'Union. Nous faisons un bel échange, nous parlons de communication, nous parlons de culture, nous parlons de journal L'Union et des échanges très, très intéressants. Et nous surtout insister sur les réalités que le pays a traversé ces jours-ci. Ces jours-ci, crise sanitaire là, qui pourrait mener une crise économique, qui pourrait aussi changer habitude nous, mode de fonctionnement nous, et aussi qui impacte la culture là, qui a gagné, non seulement comme conséquence de passage maladie ça, mais surtout côté culture là, qui a aidé nous faire face à ce danger ça qui a menacé nous, comment culture là, qui a permis de nous renforcer et défense nous disant vis-à-vis d'un ennemi invisible mais qui nous menace et qui est dangereux. Quel est là, ministre Kilti à communication hein, trouvé dans la Radio Nationale d'Haïti. C'était moment pour ministre Henriques rencontrer employé et puis directeur général institution. Hein. Service public là, c'est une orientation côté radio, hein, les continuer informer soit son gouvernement. Il continue à informer soit sur chaque ministre, il continue à informer soit sur l'exécutif, soit sur les trois pouvoirs d'État, si ça existe. Mais il continue tout informer sous sa opposition à faire, sous sa société civile à faire. Et puis il va y avoir des paroles contradictoires, des paroles différentes, pour que nous passions de tout le côté, son seule parole capable. C'est ça le service public. Après Journal Nouvelis à Radio Nationale d'Haïti, Télévision Nationale d'Haïti, ces derniers médias, ministre Kilti à communication, visité mercredi 1er avril 2020. Visite ça a été occasion pour ministre Henriques, chita parler avec directeur général institution, Gamal Augustin, et puis ouais employés qui dans différentes directions.
au premier plan le rôle que joue le ministère de la Santé et pour gagner le ministère de la Communication qui le fait arriver pour créer ça le CIPC qui nous permet de réguler toute communication l'État d'abord a fait. Pas oublier le système l'État au niveau communicationnel est très complexe. Il y a le ministère de la Communication, il y a le DG de la Communication, il y a le secrétaire d'État de la Communication, il y a les médias d'État, même dans la Kaoula, Télévision Nationale, c'est communication. Nous sommes visités Radio Nationale, je veux dire, c'est communication. Ou bien Journal d'Union, c'est communication. Ou bien toute unité ministérielle, c'est communication. Mais Santé publique, c'est unité communication. Ou bien Palais National, c'est communication. Ou bien Primature, c'est communication. Au début, ça a été constaté, toute communication, ça a pas une cohérence qu'il faut, malgré que chacun travaille. Donc, et puis nous dit qu'à un moment donné, il faut cette cohérence. Donc le CIPC, c'est cette cohérence, un outil de cohérence de l'État. Mais quand nous arrivons dans une phase côté, au-delà de cette cohérence publique, nous voulons gagner ça dans la carrière, une cohérence aussi, un lien aussi avec le privé, les médias publics, les associations de communication de médias. ANMH, AMI, les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui un pouvoir extrêmement important en matière de communication. Les radios communautaires, qui eux-mêmes permettent pour porter plus loin sa télévision nationale, pas capoter, sa radio Caraïbe, pas capoter, sa télévision Vision 2000, pas capoter. Pas vrai? Et donc, partir en tenant Nouvelliste, Journal Le Nouvelliste. Pas vrai? Et c'est dans le contact ça, moi, avant, après-midi. Hein? Journée, ça, son journée média liée. Malouer le Nouvelliste, presse écrite, malouer Radio Nationale, audio, et puis Mbinoué Télévision Nationale, audiovisuel. Donc, après le lien, moi, établi entre la mission du CIPC qui fait cette cohérence de l'État et qui s'ouvre aussi aux médias privés et visite jeudi, hein? Côté, moi, j'ai trois médias malouer parmi eux pour aux médias privés, je prends deux médias à l'État. Hein? Nous avons trouvé un accord entre le Nouvelliste, aux possibilités, et l'Union. Hein? Pour une hébergeur. Le Nouvelliste et l'Union. Oui, tout à fait. Il permet que le gouvernement lui-même lui fait passer message normalement. Et l'Union refonctionne. Il reprend fonctionner. Et puis en même temps, nous sommes allés voir la radio pour que nous aider à la sortie de détresse moins liée. Et puis, je viens là, la télévision nationale, qui c'est la KMW, pour que nous fassions avoir une visite de solidarité avec le travail que fait le DG, Kamal Auguste, et le travail que fait son staff. Et c'est à ce titre que je suis là moi-même, pour vous dire, et pour que le monde entier connaisse, nous là pour une solidaire, pour solidarité active du travail que vous faites. C'est un mélange de cohérence interne, donc les médias. La communication publique a besoin de cette cohérence interne, donc unité interne pour représenter en force par rapport à ça que va arriver nous là. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous là gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passez une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.